Bonjour à toutes et à tous, ici Jaco pour vous servir. J'espère que vous allez tous agréablement bien, que vous avez passé une excellente journée, que votre semaine commence agréablement bien. Du coup, aujourd'hui, on continue notre aventure. La dernière fois, on est arrivé du coup à Agnon, à Unionpolis. Je comprends pas le nom de cette ville, hein. Unionpolis. Alors qu'il n'y a même pas de police, c'est n'importe quoi. Dans notre équipe, ça n'a pas grandement changé, vu que. Enfin, j'ai fait les dresseurs qu'on a ratés, du coup, ils ont un peu augmenté de level. Harry Potfleur a évolué, comme je vous l'avais promis. Je vous avais aussi promis que je vous montrerais son évolution. Je me suis fail. Le chat en live, c'est pourquoi je me suis fail, mais vous, à vous, je vous le dirai pas parce que j'ai trop honte. Mais voilà, du coup, au moins, il a évolué, c'est le plus important. C'est le plus important. J'aurais mis quelques objets, on va voir ce que ça donne. Et puis c'est parti. C'est parti, du coup, faut juste qu'on fasse ça. Allez, let's go. Oui, bonjour. Oh, je suis sorry. Vraiment, je ne sais où me mettre. Oh, tu comptes participer au super show concours? Tu vas voir, ça va être fun. Il s'avère que Kimera, la championne d'arène du Diopolis, c'est aussi une pro de super show concours. Je ne sais de quoi je parle, parce que Kimera, it's me. Je sais pas faire l'accent anglais, donc j'en fais pas. Hein. Tu veux me défier? Why not? Ah mince, j'ai pas lu son dialogue, je pensais que ça allait continuer. Putain, pardon. Est-ce que du coup, faut que j'aille l'affronter? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il faut que je fasse d'abord le concours? Rendez-vous à la salle de concours. Non, visiblement, faut d'abord qu'on aille faire du concours. Ok. Ok, ok. Ah, tiens, il y a maman. Bonjour. Ah, te voilà, parfait. Oh, Jaco, tu vas bien, mon loulou? Attends, non, ce n'est pas possible. Ingrid, t'es maman? Et ta maman? Mais alors, tu dois connaître le super show concours sur le bout des doigts. Ah, ça, je ne pense pas. Je n'ai jamais parlé du super show concours à Jaco. Et je ne savais pas que vous connaissiez. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Je te remercie pour tout à l'heure. Prends ceci. Madame, merci beaucoup. Vous me faites grave plaisir. Colle ce saut sur la capsule d'un Pokémon avant de le faire participer. Et fais garantie, tu verras. Et si tu participes au super show concours, comme je te l'ai dit, je fais partie du jury. Tu verras, on s'y amuse bien. Si tu as peur de le lancer, tu peux commencer par faire une séance d'entraînement. Sur ce, je dois vous laisser. A bientôt, Ingrid. Ça t'étonne de me voir ici, mon loulou? Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de venir m'amuser à Unionpolis, mais je m'attendais pas du tout à te croiser. Par contre, si tu comptes vraiment participer au super show concours, tu dois changer de tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et te pomponner. Enfile ça pour épater la galerie. Vous obtenez le look show concours. Ok. Je suis sûr que ça t'ira à merveille. C'est moi qui ai choisi cette tenue après tout. Et maintenant, cours profiter du super show concours. Tu y découvriras tes Pokémon sous un nouveau jour. Allez, continue de bien t'amuser et à bientôt, mon loulou. C'est obligatoire le show, les amis? Est-ce qu'on le fait? Au pire, on va skipper, hein. Je laisserai ça que pour le live. Visite Unionpolis. Moi, j'ai envie de tenter. Ça vaut quoi? Merveilleux, Poffin. Merci. Je sais pas à quoi ça sert, les Poffins. Je crois que c'est juste pour justement augmenter la beauté ou etc. Je sais pas. Ok, on se tente? T'es pas obligé de faire les concours si t'as la flemme. Oh, au pire, je couperai ça. C'est pas gênant. On mettra juste 5 secondes sur l'épisode, mais on fera le reste, on mettra pas le reste. Le super show concours de beauté de niveau normal. Ouais, les pégus, nous, on est les seules classes. Oh là là, regardez-moi ces cœurs, regardez-moi. Oh, ça like. Oh, ça follow. Incroyable. What the... C'est pas ça, les concours, normalement, si? Il se passe quoi? Faut que j'appuie? Capacité de concours? Attendez, je peux appuyer sur X. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai fait parasport. J'ai des cœurs. Quelqu'un comprend? Je comprends pas, aidez-moi. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi les Pokémon ne jouent pas? Pourquoi la musique donne envie d'aller dormir? Est-ce que les gens dans le public dorment? Est-ce que je suis beaucoup trop en train d'en faire pour ça? Quel show, mes amis, quel succès! Les participants vont recevoir des points de réussite pour cette belle performance. Oh purée, on les a défoncés. Jaco et Harry Potfleur. Ok, on a gagné, je présume. Ok, on a été parfait niveau danse. Attends, c'est fini? Félicitations pour votre prix d'excellence, voici votre récompense, un saut beauté. Nous espérons que vous comptez parmi nos participants la prochaine. Ouah, comme ça pue la merde! Ah, oh, c'est chiant! Ah, oh, je me suis fait chier! Mais attends, c'était pas ça les concours avant? C'est trop bizarre ce qu'ils ont fait. Non? Ok. C'était bizarre. J'avoue, c'était bizarre. Du coup, à l'arène, on peut pas y aller. Il hein. Y a tout le monde qui s'est endormi sur le chat, visiblement. Clairement. Ok, voyons voir ça. Salut, jeune dresseur. J'imagine que tu es venu défier la championne d'arène. Eh bien, ça m'ennuie de te le dire, mais ça ne va pas être possible. Tu te demandes sûrement pourquoi. La réponse est simple. La championne n'est pas là. Reviens une autre fois, d'accord? Je ne bouge pas ici. Mais elle était là il y a 5 minutes. Où elle est partie? Faut que je parle à qui? J'ai raté quel dialogue? Ouais, non, j'ai fait le concours. Faut que j'aille où maintenant? Ah, attends, si, je crois me souvenir. Attendez. Oula, attendez, je crois même me souvenir, mais genre... Ouais, c'est ça.
Yes, c'est ça que je me souviens. Ah, enfin, tu m'as encore fait attendre, Jaco. Allez, on va voir à quel point on a progressé ici maintenant. Hey, t'es un dresseur maintenant, tu dois toujours être sur le qui-vive. Alors, on ne pleurniche pas, on s'enfuit pas, et c'est parti pour un combat. Ok, Rumel Kevin. J'avais oublié le nom. Allez, montre-nous ce que tu as. 4 Pokémon, est-ce que tu me respectes? L'évolution, tu connais? Bon, en tout cas, on va switch. On va aller sur multiprise. On est level 25, il est level combien? J'ai pas vu. Il est level combien? Dis-moi qu'il est level au moins 20 ou un truc comme ça, quoi, parce que... S'il est level 18, je vais péter un câble. Hein. Reflet. J'ai l'impression que le rival se fout de ma gueule. Je tiens à le dire. J'ai l'impression que la difficulté, c'est... Ah ouais, 19. Ah oui, d'accord. Bon. Bon. Visiblement, c'est pas pour aujourd'hui qu'on va avoir de la difficulté, j'ai l'impression. Bon, au moins, ça fait quelque chose de cool pour mon épisode. Par contre, il va commencer à me péter les couilles avec son reflet. Ah, merci. Ah, merci, heureusement, je le one-shot. Pouh, j'en ai marre. Romuel, vas-y, réveille-nous avec tes morts. Quoi? Avec des morts. Ah oui, non, oui, pardon. Le chat veut des morts, très bien. Ah, mais c'était boué. Bon, bah, parfait. Multiprise est présent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pas mal, moi aussi, je vais te montrer un truc génial. Ah. Vas-y, fais-nous rêver, on est tout ouïe. Fais-nous rêver. Dommage, t'es mort. J'adore comme le chat est vraiment pour Romuel Kevin, pas pour moi. Moi, ils veulent me voir perdre, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez me renseigner, Schtroumpf, quand il évolue? Je sais pas du tout. Vlatipa un Bloscara. Bosca. On doit prendre quoi contre Bosca, déjà? Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas d'attaque vol. Oh, on n'a pas d'attaque vol. Ah, flûtez zut. Ah, on est dans la sauce. On va lancer un étincelle, ça devrait aller. Voyons voir. Ah, c'est pas très... Ah oui, non, c'est... Oula. Ah, au moins, je l'ai paralysé. Chez. Piège de roc. Ah! Romuel? Mais que t'arrives-t-il, Romuel? Oser utiliser ce genre de capacité? Ça va? Ça va ou bien? Au niveau 37, le Charmina, vous êtes sérieux? Oh la vache. Qu'est-ce qu'il nous fait? Malédiction. Entre. J'avoue là, j'avais pas prévu. j'avais pas prévu ce Pokémon là. Et malheureusement, Harry n'a toujours pas d'attaque. D'attaque vol. Hein. Et maintenant qu'on a la piège de roc, si je l'envoie, on va. Ouais. Ça fait chier. Ah, quoi qu'on a Darnué? Darvenin? Mais Darvenin, c'est. Attendez, où est les attaques là? Non, mouille bouton. Et Darvenin, c'est que 15 d'attaque. Bon, allez. Pour l'instant, il a pas fait d'attaque. Donc, on va continuer avec les morsures. Quoique, c'était plutôt charge que je devais faire. Parce que morsure, c'est aussi pas très efficace. Ouais. Ah, il a la trouille. Ah, mais c'est vrai que je peux jouer avec ça. Allez, on charge. Allez, allez. Ah, ouais, non, mais Romuel qui nous fait un peu peur avec ses pièges de roc. Hein, on y croit. Hein. Oh, coup critique, ça, c'est vraiment appréciable. Allez, tranchère, voyons voir les dégâts. Mazette? Mais Romuel? Mais que t'arrive-t-il, Romuel? On va finir sur, on va finir avec Harry Potfleur par contre, parce que s'il continue à faire des trancherbes... Mais qu'est-ce qui t'arrive, Romuel? Il y a beaucoup trop d'effets sur ce Roselia. Ok, il refait trancherbes, voyons voir les dégâts. Ok, là on résiste bien. Oula, mais Romuel! La paralysie qui n'a toujours pas eu d'effet, hein, par contre, on note. Allez, Darvenin, ça termine. Oh, ça termine pas! Ah bah voilà, il suffisait d'en parler. La paralysie. Allez, on en termine, on était plus rapide. Parfait. Oh là là! Romuel! T'étais à ça, mec! À ça de me tuer un Pokémon! Si on n'avait pas XP, j'étais mort. Enfin, si j'avais pas XP, si j'avais pas fait les dresseurs d'avant. Par flemme. Parce que franchement, je vais pas mentir, j'hésite à le faire. Au Punita, là par contre, on se casse, on va envoyer l'eau du robinet. Là, clairement, on se casse. Oh là là. Romuel a mal pris tes remarques, Jaco, il commence à s'énerver. Ah non, mais clairement! Clairement, Romuel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il utilise Hat. Bon, pour moi, ça me permet le switch garanti. Ok. Ok. Allez. Bulldo, ça devrait one-shot. Mimique, ça va baisser notre défense. Si j'ai bien retenu. Ouais, notre défense, c'est ça. Et du coup, on le one-shot. Bon.
Son équipe n'était pas une menace, surtout le Etourmia MDR. Mais j'avoue, le boss Kara, il nous a fait de ses dégâts. Propre, hein. Assez fier, hein. Franchement, assez fier. Le petit Jean Boudin qui monte level 16, ça c'est cool. T'as par contre Charmina level 37. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage parce que moi j'aurais voulu l'avoir pour l'arène. Parce que là, du coup, Meditica pour l'arène 3, je sais pas s'il va nous servir à quelque chose, hein, vu comme il est un peu fragile. Ah, mais t'as encore mis mon équipe KO. Ah, je peux dire adieu à mon rêve de devenir le plus grand dresseur de l'histoire. Non, c'est pas le moment d'abandonner. Je vais m'endurcir et progresser. Un jour j'y arriverai, je te le promets. Allez, je pars m'attaquer à l'arène de Voilarok. A plus, Jaco. La prochaine fois qu'on se verra, je serai super balèze, t'en reviendras pas. Non, moi je préfère que tu restes une pauvre merde, ça m'arrangerait. Je vais pas te mentir. Filons du coup au centre Pokémon se soigner, et puis du coup on peut y aller. Hein. On peut y aller directement. Du coup on va avoir masse dresseur. Du coup on va affronter masse dresseur. Je sais pas si on va réussir à aller jusqu'à la prochaine arène, hein, j'espère, on va voir. Hein. Venir pour cet épisode, il y aura peut-être pas mal de skips. Je sais pas. C'est notre objectif quand même, hein, bien sûr. On va essayer. On va essayer. Ouais, je sais que le gars peut me donner un petit ravi, mais on n'en a pas l'utilité personnellement. On va dire que c'est notre Pokémon de backup. Alors, nouvelle route, 209. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a raté la route d'avant. Est-ce que je me casse les pieds à y aller ou pas? Parce qu'en vrai, il n'y a pas de Pokémon intéressant, c'est que des doublons. Et puis au pire, il y avait une zone d'eau, donc à la limite, ça ferait peut-être un Pokémon eau de remplacement. On va faire ça, il faudra se souvenir qu'on a la route après le Mont Couronné, à gauche d'Union Police, en obtenable, entre guillemets. Mais du coup, on va essayer de voir s'il n'y a pas un Pokémon différent. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette zone? Voyons voir. Un Castorno. Yes. On a un deuxième père Castor. Un deuxième père Castor, les amis. Franchement, j'en ai même pas envie. Allez, on essaye de le capturer. On va voir s'il rentre dedans. Allez. Ok, c'est bon. Parfait. Allez. Bon, je l'ai pas renommé. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas important. Ah, ok. Bon, bah, dresseur. Cool. Montre-moi ce que tu as. Bah toi, montre-moi ce que t'as. Faudrait qu'on fasse un peu monter de level notre Medizika, donc écoute... 3 Pokémon. Bon, ça devrait aller. Voyons voir, un petit Monzai. Bah parfait, un Pokémon de type proche. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. J'ai un truc sur mon PC. Ok. Allez, petit balayage. Pire, ils sont level 16, ça va être un massacre. Tu me déçois, chompé. Vraiment. Gigotage. Ça va pas trop mal. Allez, deuxième balayage. Je sais pas ce qui est le mieux entre balayage ou forte pomme. Je crois que non. Non, c'est mieux balayage, mais forte pomme, ça peut paralyser, donc c'est un peu mieux quand même. Je sais pas. Les deux se valent. Pichu. Pichu, on peut rester. Continuer à faire des balayages. Écoutez, on va voir. Ouh, on fait de bons dégâts quand même. Hein. Allez, éclair, dis-moi que tu résistes. Large, tranquille. C'est vrai qu'il faut quand même que je fasse gaffe, hein, parce que j'ai quand même des Pokémon qui sont pas forcément des plus résistants. J'ai pas des Pokémon qui sont forcément bien résistants, donc à tout moment je peux me faire défoncer sans le vouloir. Rose Bouton, t'es de type poison, donc un petit Rafale 6 c'est super efficace. Ça va peut-être one shot. On va voir ça. Ouh, ouais, large. Parfait. Ok. Je vais peut-être donner quand même une potion à Chonfait parce que sinon il va nous camser dans les bras. C'est pas ce qu'on veut, parce qu'on en a besoin pour l'arène. Ouais, Manzai, le fameux Pokémon de type plante, hein, bien évidemment, on y croit tous. On y croit tous. Soigner, une petite potion. Parfait. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le Jogger, je vais essayer de l'esquiver. Par contre, le combat double, ça m'intéresse. Chamboudin, il est toujours level 16, hein. Non, je vais pas tenter. Je tromfais l'eau du robinet. Ouais, Harip, on l'a déjà vu dans le... Ouais, on va mettre l'eau du robinet, allez. Allez, allez, c'est parti. De toute manière, on a bien vu... on a bien vu multiprise pour le combat contre Romuald, donc ouais. Alors, on va mettre le Duriné. Là, je pense qu'on va garder un moment avec... on va rester en tête de lead avec Schtroumpfé pendant un moment. Le temps qui rattrape un peu les autres. Après, je vais pas vous mentir, Schtroumpfé, c'est le prochain qui part de l'équipe. Hein. Franchement, je suis pas non plus très très fan du Pokémon. Et s'il évolue aussi tard, enfin... D'ici là, on aura vraiment le temps d'avoir un meilleur Pokémon. Donc Schtroumpfé, ouais, c'est le prochain à partir dès qu'on a quelque chose de plus correct. Et on peut trouver franchement de quelque chose de plus correct. Le truc, c'est que je sais pas ce qu'on a besoin là dans notre équipe. Parce qu'en vrai, on est bien. Hein.
Parce que le truc, c'est qu'à tout moment, on peut aller dans les souterrains se chercher un Pokémon intéressant, hein. Et ouais, hein. Parce que... Y a quelqu'un qui veut qu'on te caresse. Non. Pourquoi tu veux qu'on te caresse? C'est quoi ce que c'est malgré? Parce que par exemple, je pense qu'un... Ouais, un Pokémon de type fée, psy, ça pourrait être super intéressant, par exemple. Et je pense effectivement à Gardevoir. Ça serait super cool d'en avoir un. Ça serait très très fort d'en avoir un. Surtout qu'en plus, ça nous serait très utile pour le Karchakrok. Et ça, on peut aller facilement le chercher dans les souterrains. Il y a aussi Drascore qui est très intéressant, un type poison pour justement gérer les Pokémon de type fée. On va pas s'embêter. Allez. Ça sert à rien, il est force pure de toute manière. Je sais pas pourquoi je m'embête sur Schtroumpfeu, alors que comme je vous l'ai dit, je veux vraiment... On va l'enlever de l'équipe. Hein. Le Ponyta du dernier épisode peut être pas mal aussi. Ouais, non, c'est clair, on a plein de... En fait, on a plein de possibilités, et en vrai, je sais... Du coup, je sais pas quoi faire, en fait. Ah, tiens. Une tour de pierre en ruine. Alors là, c'est le moment où je me sens stupide de ouf, les amis. Parce que du coup, j'ai gaspillé la zone avec le Castorno. Et si je m'étais rappelé qu'il y avait lui, j'aurais pu garder la zone pour lui. Du coup, je suis dégoûté. Ah, ça aurait été un super Pokémon. Ah, oh, je suis dégoûté. Si j'avais pas gaspillé la zone avec Kyonotor, fait chier. Un combat double, bah franchement, je dis pas non contre ça. Toujours cool. Bon, allez, on va mettre Harry Potfleur. Allez, on va mettre Harry Potfleur. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Visiblement, je suis de dos. Ok. Pourquoi pas. Alors, voyons voir. Un seul Pokémon, ça m'arrange. Meditica et Machoke. Ok. Ok, ok. Comment est-ce que je vais m'en sortir, moi? Raphapsy sur le Machoke, ouais. Alors, du coup, on a toujours que des Volvia de merde. Ah mince, attendez, est-ce que j'aurais pas du switch Ah, je crois que j'ai fait une boulette, là. Harry Potfleur va se manger un truc. Harry Potfleur va se manger un truc, je crois, les amis. Oh, il a tanké. Ah ouais! Ah la boulette! Oh ça va, il tank! Ah ça va, il tank! Ah mince! Ah j'ai eu un peu peur, je vais vous mentir. Gros yeux. Oh la vache. La défense baisse. Ah oui, toutes nos deux, ouais. Nos deux défenses baissent, très bien. Du coup, super efficace. Ouais, non, on va finir ça comme ça. Et en vrai, je peux continuer sur le Meditica, hein, je peux le terminer, c'est pas gênant. Enfin, en espérant que je me baisse pas dans ma confusion. Ouais, détection, super, merci beaucoup. On apprécie. On aime quand ça arrive, ça. Ah, oh, et en plus, on se baisse dans la confusion, c'est horrible. Et du coup, on se met mal. Si le crit sur le Raphapsy, ça va faire mal. Hein. Qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être attaquer et me soigner. Ah, mais le truc, c'est qu'on approche d'un centre Pokémon. Non, je vais juste switch. Jean Baudin qui monte... Boudin qui monte level 17. Ça, c'est cool. Et pas de nouvelles attaques. Allez, Raphapsy sur le Meditica. Et nous, juste on switch. Et on va mettre Multiprise. Parfait. Ok, ok. Bon, en tout cas, sur YouTube ou sur Twitch Live, j'espère que ça va bien. J'espère que tout va bien. Nous, on continue notre let's play de manière ultra chill. C'est fou comme, genre, vraiment, il se passe rien entre les arènes. C'est incroyable. Quoique, bon, je suis mauvaise langue, on a quand même affronté Bromel Kevin et il nous a fait un peu peur. Mais clairement... En vrai, le jeu, quand tu réfléchis, c'est juste déplacer d'une arène à une autre, et juste en attendant, tu fais juste des combats, au pif. Et oula, oui, effectivement, vous avez raison sur le chat, les amis, hein. Les yeux de ce mec sont un peu étranges. Le personnage est un peu étrange. En fait, c'est surtout que les gens n'ont pas des Pokémon super forts. Donc j'avoue, c'est un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette ville, par contre? Parce que c'est pas encore la Voie la Roque. Ah, on n'est pas encore arrivé à Voilerock. Oh la vache. Je pense que quitte à un peu traîner l'épisode, les amis, on va essayer d'aller... jusqu'à la prochaine ville. Que dans le prochain épisode, on puisse faire l'arène. Clairement. Par contre, je sais qu'il y avait la tour perdue. Alors la tour perdue sur la droite, là, normalement, c'est pour aller récupérer la CS Force de mémoire. Donc ça, à la limite, je ferai de mon côté. Mais par contre, je crois qu'on peut avoir un Pokémon de zone. Ouais, let's go. Au moins un Pokémon de zone, ça va être quoi? Des Fantominus? Sur quoi est-ce qu'on peut tomber? Un Oseraptor. Ah bah yes. Yes, on peut avoir des Fantominus. Et moi, je tombe sur un troisième Oseraptor. Yes.
Quoique, on est au troisième Nosferapti, et comme j'avais déjà dit dans le chat, maintenant, la prochaine fois qu'on rencontre un Nosferapti, on a le droit de le skip. Voilà. Là, au moins, c'est fini. Après, il n'y aura plus de Nosferapti. Tant mieux, parce que je commence à en avoir marre. Allez, on va le renommer à Lucard, c'était dans le chat. On s'en moque. Ce Pokémon, on le verra jamais, je pense. Parfait. Allez. Bon, allez, on passe à autre chose. C'est dommage. On aurait pu avoir un ectoplasma, je vais y arriver. Ça, c'est vrai qu'un ectoplasma, ça aurait été plus intéressant. Je vous l'avouerai. Je crois qu'on pouvait avoir aussi des cornèbres. Mais bon, on a d'ores et déjà Arip. Donc ça me suffit, en termes de Pokémon Ball. Bon, allez, on fait comme j'ai dit, on traîne pas. Direction la prochaine arène. Donc pas le temps de niaiser, on fonce. Oh tiens, un combat double encore. Bah, dis donc, on en aura fait beaucoup des combats doubles dans cet épisode. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Un Shaglam et un Mofouette. Ah, ils ont plus de Kenotor. Je suis un peu tristouné, je vais pas vous mentir. Ok, Roselia et ça. Ok, comment ça passe? Alors attendez, balayage sur lui, ça passe. L'un est type normal, l'autre est poison... Poison ténèbre. Donc ouais, ça... Ah, quoique poison ténèbre, du coup, est-ce qu'il va pas nous faire mal s'il a une attaque de type ténèbre? Bon, je pense que ça devrait aller. Allez, on a gros... Ah ouais, non, mais quoique Volvi, du coup, ça va faire 0 dégâts vu qu'il est type poison. Et ouais, ça sert à rien. Vaut mieux que je switch. On va voir. Aéropic. Oula, t'as ça, toi? Ah ouais, il faut que je me casse, visiblement. Balayage. Est-ce que tu le one-shot? Même pas. C'est triste. Je vais pas mentir, c'est triste. Allez, morsure. Ah ouais, on prend cher. On prend un peu cher. Ouais, pas le choix, du coup, je vais mettre multiprise. Et je vais essayer de finir avec Volvi, le Shaglam. Et ça devrait aller. T'as la vache, en vrai, j'ai des Pokémon de merde, on va pas se mentir. Hein. Pour l'instant, c'est pas ça. On est vraiment, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, sur cette période un peu complexe où tes Pokémon ne sont pas encore full évolués et au level. Et du coup, genre, tu galères vraiment à faire de simples Shaglam et autres. Ok, donc ça, Harry Potfleur est quand même intéressant. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que Harry Potfleur peut évoluer en Reserve à tout moment, vu qu'il évolue avec une pierre. Il faudrait juste que j'en trouve une. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on peut en choper une. Parce que je sais qu'il y a la méthode des Pachirisu, qui consiste à... Comment dire? Visiblement, on s'étonne pourquoi est-ce que Shaglam a aéropiqué. Moi non plus, je sais pas. La méthode des Shaglam, en gros, c'est que... En gros, les Pachirisu, la méthode Pachirisu, c'est qu'ils ont ramassage. Et ramassage, ça fait que quand tu kills un Pokémon, ils ont une probabilité d'avoir un objet. Et parmi ces objets, ils peuvent avoir des super objets, comme justement les pierres évolution, comme la pierre nuit, je crois, la pierre aube et la pierre éclat. Et du coup, voilà, il faut faire une armée de Pachirisu ramassage, tuer un maximum des tourmis qui traînent, et espérer drop la pierre. C'est l'idée. Mais je sais pas s'il y a une meilleure... Enfin, s'il y a pas la pierre juste, elle traîne quelque part. C'est fou comme je mets 50 ans pour expliquer un simple truc. Mais du coup, ouais. La pierre éclat, elle est à la fin de l'île de fer. Ah ouais, bon, du coup, il va falloir vraiment que je fasse la méthode Pachirisu pour espérer avoir une pierre éclat pour le prochain épisode. Du coup, lundi. La route est encore longue parce que je m'en rends compte que, bon, on est déjà à 41 minutes d'épisode, mine de rien. Donc ça commence à faire beaucoup. J'essaie de skip un maximum de dresseurs, mais... non. Alors le truc c'est que d'ordinaire j'aurais dit les dresseurs c'est pas grave, je vais les faire de mon côté. Sauf que là pour le coup... Ah, Pokémon de zone. Je crois que c'est un Pokémon de zone. Ah, c'est encore un Ponyta. Décidément on a beaucoup de doublons hein, sur ces routes. Hein. Elles sont pas très variées. Hein. Elles sont pas du tout variées, c'est chiant. Ah la vache. C'est le combien... Attends, on a fait combien de zones là dans cet épisode? Je crois qu'on en a fait 2 ou 3. On a eu que des doublons. Ouais, en plus un Ponyta sous la pluie ça fait aucun sens. Hein. Je sais même pas comment il fait pour vivre. Ok, c'est capturé. Ah, attendez, c'était une femelle? Ah bah let's go, je peux faire mon kiff que je voulais faire dans le précédent épisode, mais c'était un mâle, donc je pouvais pas. On va l'appeler Epona. Voilà. Parfait. Et on va l'envoyer dans le PC. Nom de Dieu. Ça m'en fait des doublons. Hein. Du coup, je voulais faire demi-tour parce qu'il y avait des baies. Et les baies, on aime ça. Si 30% d'apparition parmi les 4 Pokémon rares du biome O, Tarsal, excellent, Tilton et Togepi. Merci, Dominatrix, de l'information. C'est exactement ça que je savais. Voilà, j'ai raison. Chais. Voilà, voilà. Donc, en vrai, 30% d'apparition, je sais où est le biome haut. En vrai, on peut peut-être aller se le chercher. Hein. Mais le problème, c'est qu'on pourra pas l'utiliser pour la prochaine arène parce qu'il sera pas. Il sera pas. Ah ouais, quoique, il y a aussi le problème que les Pokémon, ils apparaissent. Ok.
Ok. À la limite, s'il y a des Rapid Balls dans le centre Pokémon, pourquoi pas? Parce que le truc, c'est que les Pokémon dans les Pokémon dans les zones de grands souterrains, ils sont très haut level. Donc du coup, il pourrait nous faire mal le Tarsal. Clairement. Il pourrait nous faire mal. Continuons toujours. Je sais pas où est-ce qu'on en est là dans la route, ça commence à m'agacer. Ah bah là, il y avait un dresseur. Bon, visiblement, je l'ai esquivé. Je suis en train d'esquiver un énormément de dresseurs. C'est un peu chiant parce que du coup, on perd de l'XP. Mais en même temps, pas trop le choix. Oh, onde de choc, ça c'est bien. Ça c'est cool comme attaque, mais malheureusement, multiprise est sur le plan physique. Oh, une Bégoyave, merci. Merci Jean Boudin. Parfait. Est-ce que c'est la fin? Ah, il y a des top dresseurs. Peut-être que c'est la fin là. Je viens de sauter avec ma bicyclette, j'ai dû péter un truc. Allez, espérons qu'on rencontre pas des Pokémon sur ces touffes d'herbe. Eh ben, bien tenté. Voilà, après, Tarsal, c'est pas très fort. Hein, mais si vous voulez, pour le début de l'épisode, on peut peut-être aller essayer de le chercher. Hein. Mais on essaiera juste de garder Schtroumpfé juste pour l'arène parce qu'il est level 24. Donc après, si le Tarsal est plus puissant, en vrai, le chemin entre le badge 2 et 3 semble infini. Ouais, non, mais c'est clair, et c'est pire quand tu essaies de tourner un épisode. C'est vraiment pire quand tu essaies de tourner un épisode ou quand t'es en live. Crois-moi. Alors, voyons voir ça. Un Chimpanfeu et un Chaglam. Très bien. Je crois pas qu'on a les bons Pokémon. Clairement pas. Enfin si, à la limite, Schtroumpfé pour le Chaglam, c'est pas mal. Faire un petit balayage. Par contre, le Chimpanfeu, là, va falloir envoyer l'audio ruiné. Et en plus, sous la pluie, le petit pistolet à eau va faire du bien. Clairement. Et sinon, tu finis pas ton épisode, ça fait genre 45 minutes que tu y es. Ouais, non, mais clairement, là, la route est infinie. Désolé, hein, la route est infinie, donc l'épisode, il va être vraiment bien cut comme il faut. Hein. Clairement. Allez, le balayage, qui est one-shot pas, on a l'habitude. Hein. Je trouve que vraiment nous déçoit, c'est pas possible. Allez, le bulldo sur le champ en feu. On n'est même pas plus rapide, c'est quelle galère. Oh, les dégâts! Ah, il nous a fait mal. Oh, il est plus rapide! J'explique même pas pourquoi je Schtroumpfé à résister. Ah, comme une... voilà. Ok. Sympa, là, gros, hein. Sympa, hein. On était à ça d'avoir un mort. Clairement. Ah oui, c'est vrai que je lui ai mis le gros locoque. C'est nice. Allez, balayage. Oh, la vache. On a failli perdre. Ah oui, je vois ça, Mégadron. Le combat est un peu complexe. Ah non, je vois ça, hein. Allez, level 25. Lire esprit, Kezako. Kezako, lire esprit. Lancer analyse des mouvements de la cible pour être sûr de toucher au cours suivant. Ah ouais, c'est... Ok, d'accord. Moi, j'ai pas d'attaque Wash KO, donc non, ça sert à rien. Kadabra. Ah bah, parfait, on va pouvoir mettre multiprise, du coup. Et Léviator, on va pouvoir mettre multiprise. Clairement. L'intimidation, ça, c'est un peu chiant. Quoique non, l'eau du robinet tape sur le plan spécial. Voilà pourquoi il est difficile. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est vrai qu'ils ont de bons Pokémon, mais de toute manière, les top dresseurs, faut toujours faire extrêmement attention à eux. Allez, on va viser le Kadabra, je pense qu'on peut le one-shot sous la pluie, vu sa défense spéciale. Je pense que ça peut aller. Phew, il s'en est fallu d'un Schtroumpf. T'as raison, Akemi. Et nous aussi on met l'intimidation, comme ça le Léviator va faire très peu de dégâts. Parfait. Allez, Rafale Psy. Oh purée les dégâts. Oh la confusion, ça c'est chiant. J'espère qu'on va pas être blessé. Allez, cascade, va falloir tanker. Oh, c'est l'eau du robinet. Allez, alors allez, on se blesse pas, on y va. On croit en toi, l'eau du robinet. L'eau du robinet, let's go. Ah oui, vous avez raison, on a survécu uniquement grâce à la pluie. Effectivement, vous avez tout à fait raison, les amis. Vous avez tout à fait raison. Tout le monde qui voulait voir mourir, je trouve fait. Dommage pour vous. Mais c'est vrai que ça aurait été une bonne excuse pour aller chercher Tarsal, hein, s'il était mort. Fury, non, c'est quoi cette attaque? C'est une attaque normale. Ah non, c'est nul. Ce qu'on a est bien meilleur. Quoique j'aurais pu peut-être remplacer Charme. Bof. Multiprise, envie d'aller se coucher. Non mais oh, qu'est-ce que c'est si magré. Vas-y, fais... Tabasse plutôt le Léviator, s'il te plaît. On va faire une petite griffe acier, mais ça va pas servir à grand-chose. Allez, étincelle, one-shot, on espère, x4. Ouais, let's go. Bon, alors on est passé vraiment à un cheveu de la mort de Schtroumpfé. Mais tout va bien. Tout va bien. Jean Boudin, il serait temps que t'apprennes une attaque de type roche, toi, hein. Non, Grimace, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru, hein. Ça aurait été trop beau. Et Harry Potter le 28. Ok. Bon, au moins, ça a bien expliqué. Je sais pas si on est prêt pour la prochaine arène, mais... Ouais, je pense que oui. Parce qu'en vrai, ouais, je pense que ouais. Ok, let's go. Et
Ah, pardon, les B. Parfait. Et enfin, on voit là, la voleur. Ok, bah nom de Dieu. Ah bah la vache, on va pouvoir enfin terminer cet épisode, vous avez raison. C'était compliqué, hein. Il y avait beaucoup de combats. Il y avait beaucoup de combats. Qu'est-ce que tu veux, Jean Boudin? Il était surpris. Ok, même moi, j'étais surpris de ce qui vient de se passer. Ok, parfait. Alors, voyons voir. Peut-être des objets à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer à Voilà Rock? La musique est sympa. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des choses à aller récupérer ou je peux terminer mon épisode là, les amis? Est-ce qu'il y a des choses à aller visiter? Il y a la boutique de vêtements ici. Une boutique de vêtements? Sérieux? Où ça, là, sur la gauche? Les trucs avec les néons? Oh, ouais! Attends, il n'y a pas censé y avoir un casino ici avant? Chic. Sympa. Bonjour. Oh, il est sympa, le pull. Bienvenue au coin mode métronome. Qu'est-ce qui vous amène? Je fais des achats. Oh, sympa! Oh, oui, on est pété de thunes. Let's go! On a 93 000, les amis. On se fait plaisir. Oui, c'est à la place du casino. Ok. Ok, ok. Alors, le Sweet Pikachu, il est très, très bien. Le Salopette. Pourquoi pas? Le Blouson Evoli. Faire pivoter, pardon. Ah, il est sympa avec le petit Evoli, le petit bonnet. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. La Salopette, on dirait vraiment un travailleur, un électricien, je sais pas. Le Sweet Pikachu, fait voir. La sacoche est sympa. Par contre, la coupe de cheveux, non, pas trop. Le Ectoplasma. Du coup, c'est la même chose que les Evoli, mais c'est rose et il y a un petit Exploplasma. Ok, d'accord. Le look cyber. Ok, d'accord. Oui, donc ça, c'est celui du trailer. Il est néon. Il est néon. Il est néon. Le look hivernal. Ah, oh, j'aime bien. Avec le casque, avec le manteau. Oh, je l'aime beaucoup, celui-là. En plus, avec le, on est en mode décembre. Ça fait raccord. Changer de modèle 3D. Oh, MDR. Ah, oh, ça paraît logique qu'on puisse changer. J'aime bien, hein. J'aime bien celui-là. Alors, le look cyber. Ouais, pas ouf. On va voir s'il y a toujours le chibi. Ouais, un peu dégueu, mais ok. Ok, ok. Et du coup, printanier. Ouais, bof. On dirait vraiment un parisien. Ah, mince. Je croyais que j'avais mieux de mon téléphone, moi. Zut. Pardon, pardon. Mieux. Printanier, ouais, pas ouf. Sportif. Oula. Un peu bizarre. En vrai, je crois que j'aime bien. Mais un peu bizarre, hein, en vrai. Et le blouson cuir. Sympa. Mais c'est pas mon goût. Un peu trop de cuir, justement. Mais j'aime bien le t-shirt et le pendentif. Je vous j'aime bien le pendentif et le corbos. Ok. En vrai, on a 93 000 balles. Hein. Est-ce qu'on peut se le prendre, l'hivernal? On peut se le prendre. Hein. On part sur l'hivernal, les gars? Ah, je suis pas très fan des autres, personnellement. Je crois que mes préférés, ça va être le Sweet Pikachu, le Blouson Evoli et l'hivernal. Je pense. J'aime bien. Ok, les amis, avec le chat, on s'est mis d'accord. On va partir sur le style hivernal. Ça fait 50 000. Ça fait mal, hein. Mais on va le prendre. Parfait. Parfait. Merci pour vos visites. Ah non, c'est sympa, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Allez, let's go, va falloir que je m'habille comme lui pour le prochain épisode. Non, bon, j'ai pas les mêmes vêtements, malheureusement. J'aime bien la casquette. J'aime bien le casque aussi. Ça fait comme moi, il a un casque. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Y a pas un petit un meilleur plan pour terminer cet épisode? En vrai, je peux finir ici avec la musique. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, on va finir ici avec la musique. Bon. Ah ouais, la musique en plus elle est simple, elle est bien pour finir. Parfait. Bon les amis, ben en tout cas je pense qu'on va effectivement s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode qui aura été long je pense. Hein. Je sais pas comment je vais cut ça, mais clairement avec tous les combats qu'on a fait, ça a été long. Mais bon, moi on a affronté Romuel, il s'est passé quand même des choses un peu intéressantes. Je sais pas si on est prêt pour la prochaine arène. J'espère, va pas falloir. J'espère que ça va passer là. Je pense qu'il va peut-être y avoir des morts pour le prochain épisode. J'avoue, la troisième arène, on m'a dit qu'elle était compliquée. Donc là, je fais pas le fier. Je vais pas vous mentir, je fais pas le fier. On verra si pour le prochain épisode, du coup, on va peut-être aller chercher un Tarsal aussi. Ça, on verra. Bref, en tout cas, pour YouTube, je m'arrête là. Passez une excellente fin de soirée, une excellente fin de semaine. On se donne rendez-vous vendredi pour la suite de la série. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, c'était Jaco pour vous servir. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.